Bien, salut tout le monde, c'est Lenyield, et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 de ma série en hardcore. Donc, moi écoutez, ça va plutôt bien. Donc la dernière fois on s'était laissé, ici j'avais trouvé 3 diamants, donc ces 3 diamants vont nous permettre de faire une pioche qui va nous permettre de miner de l'obsidienne, donc on va directement commencer. Donc je me suis fait agresser par un zombie, un mini zombie. Oh bah tiens, il y a de l'or ici. Juste avant de commencer la vidéo, c'est pour ça que j'avais un pommeau de cœur, je sais pas si... J'ai commencé bien. Donc je suis plutôt content de tourner, tout simplement parce que là je viens de recevoir en fait mon AverMedia. Donc pour ceux qui ne savent pas, l'AverMedia c'est un petit boîtier très fin qui va vous permettre de filmer sur votre PS3, votre PS4, Xbox One, bon bref tout le tralala, et Wii U aussi. Donc je suis très content parce que j'ai réussi à filmer mon écran de PS3 avec. Il y en a beaucoup qui disaient que c'était très difficile le branchement. Alors moi je suis d'accord parce que j'ai mis du temps à comprendre, surtout au niveau du branchement, au niveau du câble HDMI. Je trouvais ça totalement illogique en fait, et juste je l'ai juste branché comme c'était dit. Moi j'ai essayé de faire comme moi-même, et j'ai fait comme il disait, et ça a très bien marché. Donc voilà, je pense que si vous suivez le mode d'emploi, la notice plus une vidéo, franchement faites-vous aider d'une vidéo parce que vous aurez du mal. Ça va vous montrer où c'est qu'il faut vraiment faire, et voilà, ça vous permet de gagner du temps parce que la notice elle est bien, mais bon voilà, hein. On va pas dire que ce soit la meilleure au monde. Je voulais aussi vous parler de quelque chose qui m'arrive en ce moment. Donc si vous voulez, moi je suis en européenne espagnole. Pour ceux qui ne savent pas, en fait c'est une... Donc déjà, en fait si vous voulez, nous on est obligé de choisir une option dans notre collège à partir de la 5e ou 4e, je sais plus. Alors, moi j'ai choisi dès la 6e l'espagnol. Et en 5e, on nous a fait passer un test, on nous a fait faire une lettre de motivation et tout le tralala pour entrer en classe européenne espagnole. Donc qu'est-ce que ça nous fait? En fait, ça nous rajoute des heures de cours. Donc au lieu d'avoir 3 heures d'espagnol par semaine, on en a 5. Et donc du coup, on apprend bien plus vite et on fait des voyages et tout, donc c'est vachement sympa. Même si des fois c'est très chiant. Vu la prof qu'on a cette année, ceux qui sont dans ma classe, ils comprendront. Enfin, moi en tout cas je ne la blaire pas du tout. Eh hey, mais ça spawn un max, hein. Là-bas il y avait un zombie, il y a un petit zombie qui est venu m'attaquer. J'allais faire la présentation sauf qu'il m'a agressé. Alors lui, on va se le faire. Parce que je l'ai vu qu'il a perdu de la vie dans la lave. Il n'est qu'un coup. Oh, une underpearl, joli. Ok. Et là on gère, hein, je trouve. Donc oui, voilà, en fait ça vous rajoute des heures de cours. Et bien sûr, on va parler de la culture espagnole. Bon, bref, pas forcément que en Espagne, hein. Que ce soit en Amérique latine, tous les pays hispanisants. Je suis en train de dire une grosse connerie. Bon, bref, tous ces pays qui parlent espagnol. Attendez, le portail. Juste, je me concentre. Il faut encore. Mince. Attendez, faire gaffe ici. Alors normalement si on fait ça, 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 oh pile. Voilà, parfait, on a notre portail du Nether. Il nous faudra juste un briquet. Ouais, c'est bien ce que je pense, on va juste se faire une pelle. Oui, donc vous allez bien sûr apprendre plus vite la langue, mais bon, vous avez quand même 5 heures de cours par semaine. Ce qui fait que votre emploi du temps est légèrement plus... est beaucoup plus chargé que les autres élèves. Bon, c'est chiant. En fait, si vous voulez, la première année était super parce qu'on a vraiment une prof que j'adorais, que tout le monde adorait, qui était vraiment sympathique. Vous voyez, quand on n'y arrivait pas, quand on comprenait pas, elle nous aidait. Elle nous disait, bon, c'était pas grave. Enfin, bref, on était choyés. Ah, c'est bon, j'en ai eu. On était choyés. Et cette année, la prof est légèrement moins sympa. Bon, bien sûr aussi, hein, c'est normal, hein, on va pas rester tout le temps au même niveau. Autrement on va jamais progresser. Bon, elle est légèrement sympa dans le sens où voilà, elle est beaucoup moins aimable que l'autre, enfin en tout cas pour moi. Je lui ai très bien fait comprendre qu'elle n'allait pas m'emmerder. Et voilà, moi, je suis comme ça, je suis un fou. Non voilà, autrement elle est pas si sympathique que ça. Alors, on va juste faire une autre pioche. Hop, parce que dans les heures on en aura besoin. Hop.
Voilà la pioche. La deuxième pioche. Oui, donc on a un peu trop de trucs, on va tout poser, je préfère. Le fer, on n'a pas besoin, la bouffe, on n'a pas besoin, les fours. Pas besoin, les sticks, on va garder ça. Les flèches, on peut garder, la cobble, on va en garder quand même. Ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi. On a une seule torche. Oui, donc on va miner un petit peu de charbon avant de partir. Ouais, donc voilà, je voulais vous en venir là. Donc vous voyez, on va faire un voyage là cette année. On va partir à Ciudad Real. Je sais pas du tout où c'est. C'est pas le Real Madrid pour ceux qui confondraient. Je sais même pas où c'est. Ça va être un bled paumé encore. Non. Non. Excusez-moi, je pensais à quelque chose en disant bled paumé. Ouais, donc voilà, on va faire un voyage. Oh, pas cool, un arc, c'est parfait. Ouais, donc on va faire un voyage. Et donc forcément, on aura des correspondants. Donc c'est-à-dire que pendant une semaine, on va accueillir une personne. Durant l'autre semaine, c'est nous qui allons aller chez cette personne. Là, je crois que c'est le contraire. Je crois que nous, on y va, ensuite ils viennent. Je vous avoue que je préfère ça parce que... Si ça se passe... Après, je pourrais faire le gros port chez moi. Non, je rigole, mais... Voilà, enfin, je préfère comme ça, c'est tout. Alors, on va faire des torches. Voilà, 24. On va prendre assez de charbon parce que j'ai pas envie de me perdre dans les heures, ça je le vois venir. Donc voilà, on va avoir un correspondant. Et figurez-vous que si vous voulez, le jour où elle nous a dit ça. Enfin, le jour. En fait, si vous voulez, on a dû d'abord écrire des lettres. Leur disant que blablabla, on était content de les voir. Bon bref, tout ce qu'on ne pensait pas bien sûr. Mais bon voilà, on a dû leur écrire une lettre. Et eux aussi nous ont écrit une lettre. Ensuite on s'est pris en vidéo, enfin c'était quand même assez sympathique. Moi j'ai fait une petite blague en plus. J'ai dit que j'étais beau et que surtout j'étais modeste. On va prendre l'or. Et donc ensuite, parmi les lettres, on devait marquer notre nom sur la personne qui nous intéressait. Donc bien sûr, les garçons voulaient un mec sympa. Par exemple, moi j'aurais aimé un mec qui aurait été un peu geek. Voilà. Je vous le dis, enfin voilà, qui aurait aimé pas la PS3, quelqu'un de détendu, pas de stressé tout le temps. Et donc voilà. Je voulais une personne comme ça. Et ensuite ma mère m'avait dit, bon, on peut mettre indifférent. Enfin tu peux choisir une fille, moi ça me dérange pas. Tout simplement parce que si y avait plus de filles, bah après ça allait être le casse-tête. Bon bref. Donc du coup j'avais dit que moi ça peut m'importer. Donc tout le monde a à peu près s'est échangé des lettres et tout. Et moi je suis tombé sur la lettre d'une fille. D'une très jolie fille. Oui. Et donc j'ai montré à un ami à moi. Et cet ami me l'a prise, m'a prise la lettre. Et moi je sais pas comment j'ai fait comme un abruti. Je lui ai laissé, vous savez, je suis pas très intelligent pour ça. Donc du coup je lui ai laissé, il a marqué son nom. Fin de l'histoire, je me suis bien fait niquer. Bon. Ah, we need to go deeper. Donc ensuite, notre prof nous a redonné les lettres parce que c'est elle en fait et l'autre professeur qui ont arrangé. Qui est l'être avec qui, voilà si les profils correspondaient bien. Oula. Ok. Donc si les profils correspondaient bien. Et donc moi je suis tombé sur comment dire. Ok, on entend un ghast. Je suis tombé comment dire sur sur Gollum. Excusez-moi d'être aussi méchant moi, bien sûr hein, je rigole. Hein. Je m'en fiche un peu. Oh, on peut trouver du gravier, tiens, dans le Nether. Donc voilà, je suis tombé un peu sur Gollum. Il y a en général tout le temps dans chaque... il y en a un en général dans chaque classe. Putain, il est où le con? Ah, le fils de pute. Okay, on va se barrer. Je suis sûr qu'il va me toucher. Ouh, j'ai vu le truc passer. Donc voilà, je suis tombé sur cette personne. Bon, bien sûr, j'ai rigolé. J'ai dit, je suis un loser et tout. Bon, après, je sais pas du tout vraiment... Ah ouais, vous voyez, elle a cassé. Je sais pas du tout... Après, elle peut être très sympathique. Hein, il faut vraiment pas critiquer les gens sur le fil. Bon, bien sûr, hein, ça aurait été... Une jolie personne, sur mon réexcite et tout ça. Non mais voilà, il faut rester positif. Et puis c'est bon, hein, je veux dire, c'est qu'un voyage. Attendez, on va prendre ça, on va récupérer. Ça s'appelle comment ça? De la soul sand. Donc du sable des âmes, pour ceux qui ne comprendraient pas l'anglais, qui ne joueraient pas à Minecraft. Ouais, donc on va poser quelques torches des fois.
Donc notre but dans le Nether, ce serait de trouver un donjon. Un donjon du Nether, donc qui nous permettrait de faire des potions. Parce qu'il y a de la Nether Wart dans les donjons Nether. Vous allez voir, c'est assez joli. Donc je sais pas si vous savez, le Nether a été inventé en fait, si vous voulez, par. J'ai appris ça il y a pas longtemps, moi non plus. Le Nether a été un. Comment dire? Attends, on va prendre plus de hauteur, on va revenir vers là-bas. Le Nether a été inventé en fait pour Halloween. Donc lorsque Minecraft débutait. Et donc ils ont créé le Nether en fait comme sur certains serveurs. Vous voyez des fois le décor Halloween, le décor Noël. Et donc ils ont inventé. Ils ont créé ça. Et le Nether a tellement plu aux joueurs qu'ils ont décidé de le laisser. Donc c'est quand même fantastique. À la base c'était juste un. Comment dire ? Un événement, voilà, pour changer quelque chose. Donc le Nether en fait c'est une autre dimension, c'est censé représenter l'enfer. Donc vous voyez bien, ça rend dégueulasse le Nether après. Alors, on va faire gaffe à la lave parce que je crois pas qu'on peut poser de l'eau. Donc on va pas tester parce que j'ai pas envie de perdre la source, mais on peut pas poser d'eau dans le Nether. Oh, on va tomber sur un endroit de merde. Ok, là-bas on a notre portail, on va revenir. Attendez, d'où on vient? Ça va, je lag pas trop dans le Nether. D'où c'est qu'on vient? Ça y est, je me suis perdu. Vive la loose. Ah voilà, ici. Petit coin caché. Voilà, donc les joueurs ont tellement apprécié le Nether. Que les créateurs ont décidé de le laisser. Et moi aussi je les comprends, parce que c'est vrai que Minecraft sans le Nether, ce serait. Après bien sûr c'est parce qu'on le connaît, mais je veux dire c'est quand même sympa d'avoir. D'avoir une autre dimension, quoi. L'enfer c'est quand même. C'est sympa, il devrait créer aussi le paradis tant qu'à faire. Ce sera un endroit où on verrait que des bisounours. Bon, après ça aurait pas forcément trop d'intérêt, mais genre de nouveaux blocs, je crois qu'il y a des mods qui font des sortes de paradis, enfin qui rajoutent des dimensions. Bon voilà, c'était la petite anecdote. Oui, j'apprends plein de trucs de jour en jour. C'est bon, on a trouvé une forteresse, super. Vous allez voir ce que c'est forteresse. Oui donc je viens de remarquer qu'on peut trouver de l'argile, des champignons dans le Nether. Oula, alors là, danger. Ce squelette que vous voyez, noir, c'est un des mobs du Nether. Oui, donc nous avons aussi les pigmen, donc c'est un peu des cochons zombies, si on peut dire. Alors là ça va être chaud. Alors eux, ils nous donnent l'effet Wither. C'est le truc le plus chiant au monde, c'est un peu comme poison. Oui, c'est quoi? On va le faire à là. Parfait. Oh, il nous a donné un charbon, tiens. Hop. Voilà, donc là, nous avons des magma crime. Je sais pas du tout à quoi ils servent. On ira les tuer après. C'est parti. Donc, vous voyez, le Nether s'est formé de ces de briques du Nether. Bon, pour ceux qui connaissent pas, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup qui connaissent. Hein, je vais arrêter de faire... Ouh, parfait. YOLO. Ah, il m'a touché. On a une blaze rod? Non. On va se barrer. Oh, oh c'est bon, ça a pas perdu toute notre vie. J'y vais à la mode YOLO, je suis sûr qu'il y a plein qui disent que je vais crever. Bon, on va d'abord chercher de la Nether Wart. C'est plus sage. Donc pourquoi j'ai été vers les... Ouais, du coup j'ai plus de flèches. Très con ça. Pourquoi j'ai été vers les... Vers les... comment ils s'appellent? Oh putain, j'ai oublié. Putain, je sais plus comment on les appelle. Je suis un vrai noob. Bon bref, c'est ces petits trucs rouges là qui ont l'air méchants. Enfin qui sont méchants même. Putain, il y en a là-bas. C'est pas le pat. Non, c'est les ghasts, c'est les petits fantômes là volants. Bon bref, c'est ces petits trucs là qui ont en fait qui vous enflammer et ils vont pouvoir vous donner. Ah voilà, c'est un blaze. Oh, il y a un squelette normal. Ok, là on passe en mode rush. Parfait. Oh, il y a un coffre. Hop, voilà, on va faire comme dans KTP, comme ils font. Voilà, on est passé en mode rush, voilà. Donc on peut aussi trouver des coffres, parfait, un diamant, un briquet. Oh tiens, ça c'est une monture. Parfait, des sels, de l'or on prend. On va tout prendre, écoutez. Ok, là on ressort. On va revenir sur nos pas, parce qu'autrement on va... Enfin, je vais quand même me paumer. Allez, là on va direct à droite. Parfait, ils pourront pas nous suivre. Oh putain, il y en a un là. Oh putain, il y en a deux.
Alors là on est cerné. On est cerné, c'était un piège. Bon. Oh putain. On va faire diversion, c'est quoi, hein. Oui, le Nether est très dangereux, il porte bien son nom, l'enfer. Ah, le quartz. Donc le quartz, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand même un minerai qui sert à faire pas mal de décoration. Et qui aussi, en plus de ça, donne beaucoup de niveau. Je crois que c'est un des meilleurs blocs pour... le meilleur minerai pour ça. Ok, là-bas, on a rien. Bon, on n'a pas eu... Ouais, on a rien, là. On n'a pas Nether Wart. Ah, un plastron en or, de l'or. Parfait. Allez, sprint. Bah écoutez, on va fouiller les coffres, je sais pas du tout à combien de temps on est dans la vidéo. Oh, une or sans diamant. Oh non. Oh oh. Vous savez quoi, on va les attendre là. Coco. Coco. Allez, venez. Ouais, c'est trop dangereux, je pense. Après, quoique, il nous enlève 3 coeurs par un brûlure. On le tente. Warrior. Il nous donne même pas de dégâts, c'est nul. Ah, into fire, yes, on a une blaze rod. Vous voyez, ça valait le coup. Je suis sûr que vous avez stressé. Vous vous êtes dit, oh, oh le con. Ah, putain, c'est ce que j'aurais dit en plus. Ah, pas mal, 3 diamants, une blaze rod, voilà. Donc la blaze rod va nous servir à faire un brain stand. C'est un stand d'alchimie. Ok, donc il nous manque. D'accord. J'ai peur. Ok, là ça tire. Il nous manque la Nether Wart qui va nous servir à faire les potions. Ok, là y a rien. Ah parfait, yeah. Nether Wart les gens. J'ai pris quand même de la Soul Sand, oui j'ai bien fait. Parfait, Nether Wart. Nether Wart, bah écoutez, à part la... Bonjour Pigmen, on va pas les attaquer parce qu'ils sont inoffensifs, c'est bien ça. Mais, ah on est revenu. Ah, c'est par là, venez. Je retrouve mon chemin. Moi, ils ont... Je suis sûr qu'ils m'attendent là en mode fort very. Prépare à taper. Ok. Ouais, donc on va retourner. Et il nous manque de la glowstone. La glowstone... Est-ce que je suis intelligent? Est-ce que j'ai mis une torche? Putain, non, j'en ai pas mis. Oh, magma cream. Alors, eux, vraiment, je sais qu'ils drop des trucs. Oh, putain, les petits. Des trucs, mais quoi? Ok, c'est bon, je reconnais cet endroit. Ouais, donc la glowstone servira à faire des potions de heal 2, donc c'est intéressant. Ah, c'est parfait, qu'est-ce que je suis intelligent. Ok, là. Oh putain, ils sont trois! Ils sont trois! Ouais, on va pas y aller, écoutez, on en a. Par contre. Eh oui, regardez comme je suis intelligent. Bah écoutez, je crois que c'est parfait, c'est la première fois que je vais je vais m'en tirer aussi facilement. Bah écoutez, on n'est pas sorti hein. Ouais, par contre, d'où on vient? Si ma mémoire est bonne. Ok, on est venu de là. Là j'essaie de, de me reconstituer le chemin. Ah bon, la glowstone. Déjà c'est bien. Puis on se laisse là, on se laissera ici. C'est assez dangereux après. Hein. Je vais se laisser là. Parce que déjà dans le monde normal je me fais attaquer. Oh c'est super joli ça. J'ai juste envie d'aller voir les gens. Alors attendez. Glowstone et Zerward, oui c'est bon. Je ne vais pas faire l'erreur d'avoir l'inventaire plein. Ce serait trop cool. Ce serait trop dommage. Ah c'est super joli ça. Une vallée du sable des âmes. Bon, je crois que nous pouvons annoncer que nous sommes officiellement perdus. Sans vouloir être pessimiste, nous sommes totalement perdus, putain. J'aimerais juste retrouver le portail, putain. Ah, ça doit être pas très loin, je pense qu'il doit. C'est un truc tout con. Pire, on reviendra à la forteresse pour voir si je me souviens. Si j'ai pas l'impression d'être venu par là. On a perdu aucun dégât. Ah, le voilà, le fameux portail, c'est bon. Ah, mais vous voyez à quoi sert d'avoir une bonne render distance
Sinon, je l'aurais jamais vu. Ah voilà, notre autre pont. Allez, on court, on va sortir de ce monde effrayant. Oh bon, bah écoutez. Oh, des petits. Oh, j'ai quand même envie de faire une énorme connerie. Oui, regardez-moi, je vais faire une connerie, je pense. Ouais, non, vaut mieux pas, parce que si on attaque un, si je reviens, je vais me faire absolument défoncer. Parce que les pigmen, ils font très mal. En plus, s'ils se mettent à plusieurs, bon. On retourne dans le monde normal. J'espère qu'on va spawner à la base. Dans la ligne terrain, ça sent... je sens mal. Eh ben non, vous voyez, on a eu pas mal de chance. Des fois, ça peut arriver qu'on retombe à un mauvais portail. Bon, bah écoutez, les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. On aura fait pas mal de choses. On est revenu sain et sauf. Oula putain. Mais il y a des mobs qui crèvent par là. Et là-bas il doit avoir un autre truc de lave. Ouais, donc on est revenu sain et sauf. La prochaine fois je pense qu'on fera la table d'enchant, les potions. Et je me lancerai peut-être à l'Ender Dragon. Donc on a une Ender Pearl, il nous en faut au moins 10 je pense pour remplir le truc du portail. Donc en tout cas j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime. À vous abonner et à mettre dans les commentaires si cet épisode t'a plu. Allez, bye bye.